Tiens, chouchou, cadeau. C'est pas vrai, Loulou, c'est pour moi? Non, c'est pas pour toi, c'est pour la voisine, je suis con. T'es bête, pourquoi? Bah parce que j'ai eu le médecin, là, il m'a dit que ta cheville était cassée et puis qu'apparemment il te restait quelques jours à vivre, tu vois, donc je me suis dit j'allais faire un petit cadeau, quoi. Hein. Fallait pas, mon amour. Ah oh ouais, non, mais t'emballe pas, de toute façon, après ta mort, on me rembourse, hein, donc... T'es bête, tu sais parler aux filles, toi. Ouais, t'es pas la première qui me dit ça, ouais. Qui ça? Rien, allez, c'est une blague. Moi, je vais l'ouvrir. Vas-y. Oh oui! Oh mon toutou préféré, je te l'avais dit, non? Ouais. Papa me l'avait donné, puis ouais, maman l'avait mis dans l'eau de Javel. Ouais, ouais. En tout cas, c'est super, mon amour, c'est génial. Oh, mais je suis content. Mais comment t'as deviné? Ah, mais ça, c'est l'instinct masculin, si tu veux. Puis vu que tu me la rabâches quand même deux fois par jour depuis 7 ans, il y a un moment où ça rentre bien, quoi. Jean. Quoi? Ton fils maintenant. Tiens, chouchou. Merci, mon loulou. Le docteur, là, il t'a dit qu'il fallait pas que tu marches, mais même avec une béquille? Oui. Oui, oui. C'est bizarre, ça. Attends, il est docteur, il doit savoir ce qu'il dit, hein. C'est bizarre. Loulou? Oui. Ça t'embêterait pas de m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît? Oui. Merci, mon amour. Et puis mon Walkman aussi, s'il te plaît. Bien, ma belle. Merci, mon loulou. Tiens, chouchou. Merci, mon amour. Doucement. Ouais, doucement, attention. Doucement. Bah non, c'est celle-là. Ah bah oui, c'est vrai. Doucement, fais gaffe. Voilà. Tiens, tu mets un petit oreiller, s'il te plaît, derrière. Vas-y, doucement, voilà. Merci. C'est bien, là, ça va? Ah oui, tu voudrais pas me chercher une tisane à la menthe, s'il te plaît? Oui. Avec mon chandail bleu aussi. D'accord. C'est plus minou. Oui. Merci, mon amour. Puis Loulou, il faudrait que tu ailles laver la salle de bain, parce que c'est une catastrophe. Ok, mais non, mais je laverai la salle de bain. D'accord. Qu'est-ce que t'as? Rien, c'est un rhume, ça va aller. Ah, je sais pas, là, j'ai. C'est comme si je couvrais un truc, tu vois, un rhume, là, une saloperie. T'es pas bien? Je suis pas bien, là. Hein. Non. T'en restes assis, là, bouge pas. J'ai une sale tête, là. Hein. Non, ça va pas parce que. Si, hein, je regarde, je suis blanc, regarde. Non, ah, quoi? Non, bah, ça si, va. Si, j'ai pas des ganglions. Non, t'as pas de la fièvre? Un peu, regarde, touche ici, là, ici, non? Non, ça va. Non? T'es pas bien? Non? Attends, prends ma place. Non, attends, prends ma place. Tu seras mieux, moi. Non, mais en plus, il faut que j'aille faire la salle de bain. Attends, mon loulou, je la ferai, moi, c'est pas grave, ça. Vas-y, je peux très bien la faire. Tiens, vas-y. Couverture comme ça, je vais m'occuper de ton loulou, oui. D'accord, hein? Puis je vais te mettre ton petit guidu là, comme ça il va te surveiller. Ça va, mon loulou? Ça va. Mon pauvre loulou, qu'est-ce que t'as? C'est bizarre ça, comme ça d'un coup. Je le savais. Et quoi? Ouais, je le savais. Je savais que tu marchais. T'es vraiment une hypocrite, hein? Quelle fourbe celle-là, c'est incroyable. Bon, quoi, loulou? Le petit poussin va bientôt sortir. Plus que deux jours, loulou, le bonheur, on me l'enlève. Tant de jours. Bah écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai pris ma matinée, comme ça je t'amènerai à l'hôpital, c'est sympa. Non mais c'était pas la peine, loulou. Attends, c'est pas la peine de prendre ta matinée pour ça. Hein. Ah mais moi ça me dérange pas, attends, faut bien que quelqu'un te conduise. Mais attends, j'ai tout organisé avec maman, on prend sa voiture. Non, Alexandra, le but c'est qu'on t'enlève ton plâtre, pas qu'on t'en rajoute. Hein. Excuse-moi, maman a eu beaucoup moins d'accidents que toi. En plus, tiens, ta mère a son cours d'aquagym jeudi matin. Ne parle pas comme ça, maman. Qu'est-ce que j'ai dit là? Bon, écoute, je t'amènerai à l'hôpital de toute façon. Non, c'est... bon, écoute, je n'y vais ni avec maman, ni avec personne. Bon, tu vas avec qui, là? Tu vas avec ton amant ou quoi, là? Non, la bondo, bah, ta mère, là? Non. Alors, c'est quoi? Mais non, mais c'est parce que quand on voit mon vieux plâtre, je me suis pas épilée depuis un mois, là, on va voir tous mes poils. C'est pour ça? Oui. C'est que pour ça? Oui. Jean. Jean. Attends, je suis avec Michel Thor, deux secondes. Jean, ça me gratte, là. Oui, mais bah, gratte-toi. Je peux pas. Tu vois bien que je peux pas. Mais où est-ce que ça te gratte tout? Ça te gratte. T'es bête. Non, ouais. Vite, ça me gratte. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais vite, là, sous le plâtre, ça me gratte, je te dis. Oh, tu me fais mal, tu me pinces. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas, trouve quelque chose. Oh, ça me gratte, j'en peux plus, vite. Le chien. Chope, gratte, tu me fais mal en plus. Oh, mais quoi? Mais je sais pas, trouve quelque chose. Ah, attends, bouge pas. Qu'est-ce que t'as? Très bien, vas-y, gratte. Là? Ici? Ouais, vas-y, là. C'est par là, un petit là. Peu là. Là. Plus à droite. Oh, vas-y, un petit peu plus bas là. Là, oh, là c'est bon là. Oh, là, c'est bien là. Ah, vas-y, un peu plus fort, vas-y. Ah, oh, c'est bon là. Ouais. Oh. C'est bon là. Oh, le vieux.
Hein? Oh, c'est magnifique. Ouais, je sais. Oh, j'adore. C'est, oh, c'est bon, là. C'est vrai, oh, tu n'es pas la première. Oui. Oh oui, c'est bon, là, Minou. Ah, c'est bien, là. Ah oui, je t'assure, ouais. C'est l'extase. Tu sais que ça me gratte un peu aussi, moi, là. Ah oui. Ouais. Alex. Quoi? Il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, tu promets de pas te fâcher, hein. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Tu m'as trompé. Non, non. Pas avec Isabelle, quoi. Mais non, c'est pas avec Isabelle. Tu m'as trompé avec qui, alors? Je ne t'ai pas trompé, écoute-moi. Ah, je sais. Tu es allé chez le médecin, tu as reçu les résultats de ton examen, tu as le sida. Non. T'as le cancer? Non. T'es stérile. Non. Si, j'en étais sûre. Non, écoute-moi. On ne pourra jamais avoir d'enfant ensemble. Écoute-moi, Alex, c'est pas ça. C'est que tu veux me quitter? Mais non, je peux. C'est ça? Mais pourquoi mais je peux. Mais t'as tellement changé récemment. Mais j'ai pas changé. Pourquoi tu dis que j'ai changé? J'ai pas changé. Je sais, t'es homo. C'est pas étonnant. Alexandra, regarde-moi dans les yeux. Bon, dis-moi ça vite, ça fera moins mal. Regarde-moi. Oui. Je t'aime. Oh mon amour.